Le graphisme est réaliste, l'action est prenante. On peut acclamer le concepteur de ce jeu vidéo, c'est un pro. Oh. Un nouveau jeu à tester. On va voir si le contenu est aussi brillant que le disque. Plus tard. J'aurais dû m'en douter. C'est pour toi, Sam, qu'on fait du repérage. Oh, pour moi? Il fallait me le dire tout de suite. Oh, regarde celui-là. Tu as vu cette carrure? Oui, carrure d'athlète, mais peut-être pas grand-chose dans la tête. J'en voudrais un plus intelligent. On ne juge pas quelqu'un sur les apparences. Il te plaît pas, lui? Oh. Et lui? Et lui? Celui-là est trop stressé par la rentrée. Celui-là se croit irrésistible, mais c'est pas le cas. Oh, mais celui-là pourrait très bien me correspondre. Pour toi, y a pas de doute, ce serait une aubaine. Mais lui, aucune chance qu'il s'intéresse à toi. Rêve pas, Sam. Si tu cherches désespérément un petit ami, j'ai trouvé celui-ci dans mes fonds de tiroir. Merci, Mandy. Mais Sam n'est pas aussi désespéré que tu le crois pour accepter ton aide. Tu peux garder tes seconds choix. De toute manière, vous ne jouez pas dans la même cour. Que vois-je? Tu le trouves pas super craquant? Oh, ben, faut aimer le genre qui s'habille comme au siècle dernier. Jeune fille, je suis Dean Warden et il ne m'a pas échappé que 3 étudiantes se sont permis de sortir très tard sur le campus hier soir. Si ça te dérange, Dean, va faire le rapporteur auprès du responsable. Sachez que c'est moi le responsable et on dit Monsieur Warden quand on parle du doyen des étudiants. Or, je pense que ces noctambules, c'était vous. Les images de la vidéo de surveillance l'attestent. Oh! Ah! Oh! Ah! Hein? Oh! Ah! Oh! C'est très gentil à vous. Justement, j'avais un petit creux. On a un problème, Jerry. On a un nouveau doyen. Il nous a à l'œil. Il a l'air très strict sur les règles. Ne craignez rien. J'ai ici un gadget qui vous alertera quand il sera dans les parages. Merci, Jerry. Mais comment ça fonctionne? On est censé le jouer à pile ou face? Pile, il est loin. Face, il est dans le coin. La mini-pièce traceuse n'est pas monnaie courante. Il s'agit d'un bijou high-tech dernière génération. Une fois placé sur votre doyen, l'alarme de votre com-poudrier vous avertira s'il approche. C'est cool, ça! Dommage que personne n'ait placé ce dispositif sur l'éminent concepteur de jeux vidéo qui vient de disparaître dans des circonstances bien étranges. Étrange? Que s'est-il passé? On ne le voit pas quitter les locaux de la société sur la vidéo de surveillance. Cependant, il reste introuvable. À vous d'éclaircir cette affaire de toute urgence. Mais avant l'enquête, distribution de gadgets. Le dissolvant à ongles décape tout pour commencer. Il perfore même d'épaisses couches de béton en une seule application. Le séchoir à cheveux liquéfiant thermique qui fait tout fondre sur son passage. Et les écouteurs brouilleurs de fréquence. Ils diffusent de la musique? Absolument pas. Ils émettent des ondes surpuissantes pouvant parasiter les plus stables des plateformes numériques. En forme pour cette nouvelle mission? Dites-moi, pourquoi on doit s'introduire dans ce bâtiment par le toit et non par la porte d'entrée, comme tout le monde? Parce que nous, on n'est pas comme tout le monde, justement, on est les spies! Les jeux vidéo créés dans ces locaux sont classés top secret. Pour notre bien, il vaut mieux qu'on ne se fasse pas repérer. Voilà, comme ça, on peut entrer discrètement par ici. Discrètement, ça c'est moins sûr. Oh! On croirait être tombé en plein milieu d'un champ de bataille. Au moins, ils n'ont sûrement pas pu entendre le bruit qu'on a fait en entrant. Allons voir ce qui se passe. C'est ça, le champ de bataille? Un petit groupe d'accros aux jeux vidéo? Oh, ils sont tellement rivés à leurs écrans qu'on pourra se déplacer sans qu'ils nous remarquent. Ha-ha! Vous, je sais ce que vous faites là. Courant? Oui, vous avez forcé l'entrée déguisée en orbe de la planète Glerk pour avoir un autographe de Seth Nathan. Oui, bien vu, t'as tout deviné. Mais c'est quoi un orbe? Enfin, c'est où la planète Glerk? Enfin, c'est qui Seth Nathan? Mais c'est le meilleur concepteur de jeux vidéo de Silicon Valley, mais il a disparu. On est inquiet parce qu'il sort jamais de l'enceinte du labo. On peut dire qu'il passe toute sa vie dans son bureau.
Eh ben, vu qu'on a fait ce long chemin depuis la planète Glerp pour voir Seth, tu pourrais peut-être nous le montrer, son bureau. Désolé, c'est un espace privé. Vous allez devoir partir. Modification avatar acceptée. Toby, tu laisses mon avatar tranquille. Oh, je t'interdis de le transformer en troll. T'arrêtes. Non, oh là là. Il vit ici? Eh ben, il n'est pas exigeant sur le confort. Peut-être qu'il se contente d'une salle de bain virtuelle. Oh? Oh, il est super craquant! Plus la peine de chercher, j'ai trouvé le garçon idéal! Pour une fois qu'il y en a un qui te plaît, dommage qu'il soit porté disparu! Un truc semble avoir brisé et traversé son écran. Vu les dégâts, il y a dû y avoir une action en 3D percutante. Il a un regard tellement doux et sensible. Oh, j'espère que là où il est pas trop effrayé. S'attendrir, Sam! Celui qui vient de fermer la porte nous espionnait pendant qu'on était en train d'espionner. Faut qu'on l'attrape! D'accord, on fait un trou dans le toit, mais c'est pas normal qu'il y ait de la neige à l'intérieur. On est en Californie! C'est peut-être un maladroit qui a renversé sa boisson avec de la glace pilée. Oui, mais la glace pilée, ça mouille. Pourquoi vos vêtements sont secs? Celui qui a le disque lumineux pourrait peut-être nous le dire. Je suis déçue. D'habitude, je cours pas après les garçons pour ça. Nous a échappé. On n'a pas pu l'identifier, mais envoyons déjà ça à Jerry pour qu'il le fasse analyser. Bonne idée, on en prélève un échantillon et on file. voilà le doyen. En apnée, on replonge dans la poubelle. Chaud. Il passe son temps à faire des rondes. Si on veut s'en débarrasser, on a intérêt à placer la pièce traceuse sur lui. On va aussi avoir du mal à se débarrasser de cette épouvantable puanteur. Regardez, il est partout, il nous espionne sans arrêt. Le mieux est de lui glisser la pièce traceuse dans les chaussures. Et ça tombe bien, elles sont sous son bureau. Hein? Il y a quelqu'un? Ça y est, les copines, on va enfin pouvoir faire notre travail sans que Dean nous espionne en permanence. Ah, bravo! Vous êtes déjà mis le doyen à dos. Vous avez vraiment le talent de toujours vous attirer des ennuis. Et pour attirer les punaises, la preuve, non? Encore des paparazzi sont toujours après moi. Je vais faire exprès de les fuir pour qu'ils soient encore plus motivés. Oh non, non, pas de photo, pas de photo. Non, mais j'hallucine, là. Ouais, on a beau s'attendre à tout, elle arrive toujours à nous surprendre. Non, je parle de Dean, il approche et l'alarme de nos compoudriers n'a pas sonné. Et c'est quoi ça? Jerry nous a donné une pièce traceuse défectueuse. Vous êtes prêtes, les Spies? Parce que voilà l'hélico du Whoop. Mademoiselle, un danger menace. On sait comment il s'appelle. Dean, notre doyen, nous traque. Merci pour le gadget high-tech d'hier. Parce que c'est pas mieux qu'avant, il débarque sans qu'on soit prévenu. C'est quoi le problème? Bonne question, c'est le sujet qui ne l'est pas. Une conceptrice qui fait une séance de dédicace à Tokyo pour la sortie de son dernier jeu vidéo est en train de se faire agresser. Vous vous rendez tout de suite sur les lieux pour arrêter ça. On en fait notre affaire, Jerry. Et on voudrait bien que ce Dean se mêle des siennes, mais votre gadget ne fonctionne pas. Bon voyage! Virtuel, on se croirait dans la réalité. Parce qu'on l'est dans la réalité. C'est peut-être juste une mise en scène pour pousser les gens à acheter son jeu, de la publicité, quoi. Si c'était le but recherché, c'est raté. Les clients potentiels n'ont pas l'air emballés. Vous avez vu ça? Il fait froid dans le dos, ce bonhomme de neige.
Elle vient de disparaître sous nos yeux. Bon, allez, en piste, on va fondre le bonhomme. Oh, ça marche pas! Il est détraqué, ce gadget! Il le fait exprès, dirait ou quoi? Ça marche pas parce que c'est un bonhomme de neige virtuel. Les pixels, ça font pas. Oh non! Regardez ce qu'il fait, celui-là! C'est lui qui contrôle le bonhomme de neige. Allons lui prendre la télécommande et adieu le vilain bonhomme. Voilà. Oui. Il leur aurait fallu de meilleurs économiseurs d'écran ici, parce qu'il va y avoir beaucoup de matériel à remplacer. Espérons que l'écran de contrôle n'est pas en miettes, lui aussi, parce qu'on doit vite localiser le givré à la télécommande et sa créature maléfique. Pas besoin de ça. J'ai pu lancer la pièce dans sa poche quand il s'enfuyait. Génial! Tu devrais intégrer l'équipe de basket. Bon, allez, on fait le point. Où on en est? Alors, il y a un bonhomme de neige féroce dans la nature, et ça a peut-être un rapport avec ce que j'ai pris tout à l'heure pour de la glace pilée. Je me demande pourquoi quelqu'un a voulu faire disparaître ces deux concepteurs de jeux vidéo. Mesdemoiselles, les choses ne font qu'empirer. D'autres concepteurs de jeux vidéo ont disparu. Je tiens aussi à vous informer que la substance que vous m'avez envoyée est de la neige artificielle. Elle a tous les aspects de la neige, mais son procédé de fabrication sophistiqué fait qu'elle ne fond pas, quelle que soit la température. Merci, Jerry. On va faire l'impossible pour sauver Seth. Et les autres concepteurs? Aussi, bien entendu. Le garage d'une maison quelconque? Rien à voir avec le repère angoissant que je m'étais imaginé. Oh, personne, on peut y aller. En fait, j'avais raison. Cet endroit est angoissant. Angoissant et répugnant. Oh, attention! Oh, quelle horreur! Elle est trop bizarre, cette chaussette! Ah oui, elle est tellement pourrie qu'il y a du moisi-vert qui brille dessus. Elle est verluisant. C'est très bien, tu as déniché un disque de jeu, Sam. Mais on n'a vraiment pas le temps de faire mumuse avec ce jeu vidéo stupide. Ça n'est pas stupide! Enfin, peut-être que ça nous donnera une petite piste. On est piégé, trouver un moyen de nous libérer! D'accord, c'est pas un jeu. Pourtant, la partie sera perdue pour eux si on ne fait rien. Oui, il faut intervenir. Mais si on veut entrer en jeu, Sam, il va falloir qu'on entre dans le jeu. Ça, c'est l'œuvre d'un esprit tordu. Je me demande quel est l'individu qui a une idée pareille. C'est moi! Vous êtes qui, vous? Skip Joystick, qu'est-ce que vous faites dans le garage de ma maman, hein? Et vous, mon grand, vous ne devriez pas avoir quitté le nid de votre maman à votre âge? Ouais, c'est clair. Je devrais plus habiter là depuis longtemps. J'aurais dû m'offrir un manoir avec les millions gagnés grâce à mes conceptions de jeux vidéo. Mais toutes mes maquettes ont été refusées par les soi-disant grands maîtres. Ils sont maintenant piégés dans mon jeu. Ah, ils font moins les fiers! Quand on essuie autant de refus, c'est qu'il y a peut-être une raison. Il faut savoir renoncer. Pourquoi je renoncerais? Parce que ces idiots reconnaissent pas un jeu en or quand ils en voient un? Regardez ça! Buzzer ultrasonique en folie, course de turbo aérosol éco-recyclable. Et voici un chef-d'œuvre de génie, une révolution technique. J'ai créé un système qui fait sortir le personnage du jeu et le projette dans le réel. Voici la vengeance de l'abominable bonhomme des neiges. J'ai programmé mon impitoyable créature pour qu'elle fasse d'énormes dégâts en mode destruction selon mes besoins et je contrôle les personnes qu'elle me capture. Comment quelqu'un d'assez brillant pour créer un système aussi sophistiqué peut-il être en même temps assez nul pour créer ce genre de jeu? Pas la peine de répondre. Vous vous en expliquerez devant les autorités du Boop. Skip Joystick ne s'explique devant aucune autorité! Sauf maman. Eh ben, prévenez-la que vous serez en retard pour le dîner pendant quelques temps, disons les 20 prochaines années. Qu'on le veuille ou non, on se prend vite au jeu. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, ma petite maman. Bien anticipé. Ah, quelle force, j'ai l'impression d'être un poids-plume. Merci. Désolée d'écourter ce moment si romantique, mais la priorité, c'est de s'enfuir de là en vitesse. Regardez, ce monde est en train de se dépixeliser. Qu'est-ce qui se passe là? C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est mathématique. Mais il faut une parfaite maîtrise du langage hexadécimal pour le comprendre. Il est plus accessible que le code binaire, mais beaucoup plus complexe que le zoulou. Ah oui.
Et quand une fille tombe amoureuse, ça correspond à quelle équation? La difficulté technique à laquelle vous êtes confronté vous sera fatale. Le jeu va s'autodétruire. La dépixelisation que j'ai programmée va faire le vide absolu et vous serez anéanti avec lui dans 30 secondes. Allez les petits génies, connectez vos neurones. Il nous faut une stratégie d'évitement et de sortie en urgence. On bouge, on y met toute notre énergie. Vous avez affronté les pires dangers dans les jeux d'action. Alors on y va, montrez que vous êtes de la même étoffe que vos héros. Je sais pas où on s'échappe. 60, 7, 6, F, 20, 70, 4, 5, 8, 7, 1. Tu parles le langage hexadécimal, hein? Oui, couramment. Mais si ça t'ennuie pas, tu veux bien traduire pour les autres. Attention! Ça pourrait être notre portail de sortie de jeu. Et ce toboggan de glace pourrait nous permettre d'y accéder. Il a failli me faire mal. Mieux vaut mettre des protège-oreilles comme ces écouteurs brouilleurs de fréquence. Oh, c'est trop fort. Jerry est un vrai génie. Jerry, c'est ton petit ami? Qu'est-ce que vous avez à rigoler? Il vous reste 4 secondes avant d'être dématérialisé à jamais. Skip, tu as sorti la poubelle comme je te l'avais demandé? Je le ferai plus tard, ma petite maman. D'abord, je dois finir un truc super important. C'est parti. On commence par un jeu d'escalade. Direction le toboggan. Vous avez ruiné tout mon beau travail, plus détruit l'écran de ma maman et mis le bazar dans son garage. Elle va me gronder et je vais être puni. Mais ça vaut le coup si c'est pour vous voir tous réduits à néant. Oh, c'est vrai, ils vont tous nous détruire. Bah c'est pas gagné d'avance, ça je vous le dis. Parce que les Spies vont contre-attaquer. Oh non, tu as ruiné ma combinaison. Alors là non, hein, je supporte pas ça. Je mets le buzzer hors jeu. Lâche ça tout de suite. Pourquoi? Parce que je suis une fille, alors je saurais pas m'en servir. Oui, mais j'ai un cerveau. Maman! Désolée, Skip, mais il y a des virus dans ton jeu. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gros virus? On les élimine. Oh non! Tout va bien là-dedans? Oui, t'inquiète, je discute avec des amis, maman. C'est ça, et tu vas poursuivre cette discussion avec tes compagnons de cellule. Sam, à tout hasard, je voulais te demander si tu serais éventuellement d'accord pour sortir avec moi. Je connais un endroit où il y a une borne d'arcade avec des jeux vidéo sympas. Et ça me plairait beaucoup. Ça te plairait de... je veux dire... Oh, c'est super. Mission accomplie, les copines. Il y a eu 2 missions accomplies. On a sauvé des innocents et j'ai rendez-vous avec un garçon. Et l'hélico camouflage du Whoop nous a permis d'échapper à ce dîme trop curieux. En tout cas, jusqu'à présent.
Oh, mieux vaut entrer par la porte de derrière. Ah, y a deux dînes, un ça va, mais deux c'est la cata. Ça explique pourquoi la pièce traceuse n'a pas fonctionné. Et voilà pourquoi on a l'impression de vous voir partout, parce que vous étiez deux. Alors, mais pourquoi on s'y retrouve là? Si vous nous disiez lequel de vous est le gentil. Les étudiants n'entrent pas par cette porte, c'est formellement interdit. Pour la peine, vous avez un avertissement. Mesdemoiselles, attention, nous vous avons à l'œil jour et nuit. Waouh! Maintenant, il va falloir faire deux fois plus d'efforts pour éviter de se faire repérer. Alex, et qu'est-ce que tu cherches? Je veux seulement m'assurer qu'il n'y a pas d'autres dînes sur le campus. Ça pourrait être des triplés, ou des quadruplés, ou des quintuplés. Oui, bien sûr.